été élevé comme ça. Et ça remonte à très longtemps. Ce moment où on nous a mis dans la tête à nous, les Noirs, et je dis les Noirs pour ne pas dire que les femmes noires, parce que ça concerne aussi les hommes, on nous a mis cette idée en tête que notre texture de cheveux n'était pas la bonne. Que notre texture de cheveux était inférieure. C'est littéralement ça. J'ai pu retrouver des textes qui remontent de l'époque de l'esclavage et qui se sont perpétués après, dans lesquels il est clairement appelé à maîtriser l'esclave noir en le faisant se sentir inférieur. Faire en sorte qu'il se mette lui-même en esclavage s'il est convaincu lui-même d'être inférieur. Et l'un des moyens dont cette infériorité a été véhiculée, c'est en classant en fait les esclaves par leur teinte de peau, par leur couleur de peau et par leur texture de cheveux. Donc c'était vraiment très concret. Plus un esclave était clair de peau, mieux il était traité, et plus ses cheveux se rapprochaient du lisse, mieux il était traité. Et il y avait même à l'entrée des églises à l'époque un test du peigne où littéralement plus on passait un peigne dans les cheveux de tout le monde, et plus le peigne pouvait glisser bas dans tes cheveux naturellement, plus tu pouvais t'asseoir à l'avant de l'église. Voilà, plus les cheveux avaient cette texture resserrée, plus ils étaient assis à l'arrière de l'église.